Bonjour, donc nous sommes à l'Assemblée mondiale de ICANN International. Cette assemblée regroupe aujourd'hui des militants du monde entier, quelques mois après l'obtention du traité d'interdiction des armes atomiques. Et l'objet de cette rencontre pendant 2 jours, c'est de travailler ensemble à développer les convergences internationales nécessaires pour obtenir la signature de ce traité par de nombreux pays et surtout la ratification donc par 50 États, puisqu'il faudra que 50 États aient ratifié ce traité pour qu'il rentre en vigueur. Donc aujourd'hui, c'est très motivant, puisqu'en fait, c'est une grande victoire pour le mouvement pacifiste et notamment pour la campagne ICANN qui a été créée donc, il y a 11 ans à Vienne. Le mouvement de la paix, notamment, a été parmi les créateurs de cette campagne. Et aujourd'hui, ce traité, qui est un vrai traité international, doit permettre de mobiliser les opinions pour que l'interdiction des armes nucléaires devienne une réalité et qu'on obtienne l'abolition définitive des armes, puisque notre objectif, c'est bien celui-là, c'est de protéger la planète pour les générations futures des armes nucléaires. Et pour ça, il n'y a qu'un seul objectif, éliminer définitivement toutes les armes atomiques.